ouvre le weekly vlog numéro 59. Je viens de mettre mon corset. Je suis à table pour le petit déjeuner. Il est 10h moins le quart, mais je suis réveillée depuis belle lurette avec ce petit bonhomme à gérer, toute seule, en ayant une balade dans le dos. Je vous dis, c'est pas facile. J'en suis à la troisième camelle que je lui prépare et il mange pas. Là, vous avez de la sardine. Bref, de la bonne pâte est par terre, là, dans une gamelle. Il n'en veut pas. Mais sur ce, qu'est-ce qu'on dit? Jingle, mes chatons. C'est parti! Allez mes chatons, c'est parti! Weekly vlog numéro 59, on va faire comme on peut. Là je suis toute seule, bon, je me suis fait quand même des petites torsions de dos. Hein. Toute seule, c'est pas facile. Hein. Il a fallu que je mette mon pyjama mon bas de pyjama toute seule, que je m'occupe de Nunus toute seule, etc. Là je vais petit déjeuner, sachant que je suis quand même levée depuis 8h30 et il est 10h moins le quart. Mon tout petit n'arrête pas de m'embêter. Un crapule. Oui, maman va donner. Je lui ai fait des bonnes sardines à la tomate, il n'en veut pas. De la bonne pâtée bio, il n'en veut pas. Petit diablotin. Il est là, petit monstre. Il est sur mes jambes. Petit bonheur, va. Mon bébé d'amour. Pas facile à gérer quand on est toute seule et qu'on est handicapé comme ça avec son dos. Je viens de mettre mon corset parce que je vais rester un petit peu debout avec mon Nunus. Mais pas facile à gérer parce qu'il miaule. Hein. Je viens de me faire deux belles grosses tartines. Là, vous avez une grosse tartine de pain, beurre et confiture à la mirabelle. Et là, du pain, du beurre avec de la confiture à l'abricot. La grosse, ça ne va pas maigrir. Ma sœurette aujourd'hui viendra dans l'après-midi. Elle va se reposer, elle a fait une nuit blanche. D'ailleurs, mon kidou aussi. Hein. Avec Nunus, qu'est-ce que c'est? Je te fous en pension. Je vais être foot en pension. Allez, je vous dis bon appétit. Moi, je gère un petit peu mon Nunus, mais bon, pas plus de 20 minutes. Hein. Parce que dis donc, maman, elle a une balade dans le dos, pas toi hein. Bon appétit et puis à plus tard, mes chatons. Hier soir, j'ai pas mangé. Il faut dire que j'ai mangé pas mal d'apéro, des chips et tout ça. La douleur était tellement forte que j'ai pas eu la force de manger, de rester debout et tout ça. Voilà, ce matin, c'est un peu plus gérable, mais la douleur est bien là aussi. Hein. Et même si j'ai le sourire, le sourire est crispé, moi je vous le dis. À tes soins, Nunus, à tes amours. Petit bonhomme, petit monstre. Ah là 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 là, c'est quand porte ouverte, SPA. Eh bien, mes chatons, 10h passées, je vous retrouve au lit. Parce que j'essaie de gérer mon Nunus. J'ai fait 4 pâtés différentes. De la bonne sardine à la tomate. De la bonne pâté bio au poisson. De la bonne pâté bio au poulet. Et une deuxième bio au poulet, mais en hauteur, au cas où il est faim, dans son griffoir. Et il ne mange pas. Il hurle. Là, il s'est planqué dans la petite cabane. Vous savez, la petite cabane vers la cuisine. Là, j'en pouvais plus. Je lui ai donné sur le doigt un petit peu de beurre, vous savez. Il en a mangé un petit peu. Enfin, il a l'échouillé, quoi. Voilà, voilà. Ouf. Là, j'en pouvais plus avec mon corset. J'ai mangé comme une vache. Allez, je me repose un petit peu. Parce que là, j'espère qu'il ne va pas trop hurler, petit père. Je suis sûre que dans 5 minutes, il va me chercher. C'est ingérable. Je ne sais même pas l'heure qu'il est. Oui, il doit être dans les 10 heures passées. Voilà, voilà. Allez, je me repose un peu, mes chatons. Après ce bon repas gargantuesque. Et je vais peut-être regarder. Ouais, je vais regarder mes emails, tout ça. Ça fait un moment que j'ai touché des sous de YouTube. Je comprends pas. Je dirais ma chaîne chute littéralement. Donc, en vue, en temps de visionnage, tout ça. C'est une catastrophe depuis des mois. Donc, ouais, j'ai encore rien eu ce mois-ci. Il faut minimum 75 euros pour être payé. Enfin, atteindre 75 euros de bénéfices pour être payé. J'ai encore rien eu. Bref, je ne sais pas si c'est normal. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Quand on n'est pas la vedette. Allez, mes chatons, j'espère que votre début de semaine a bien commencé.
Mokidou va être crevé parce qu'il n'a pas dormi encore. Depuis que je suis hospitalisée, j'ai en unus la nuit et c'est une catastrophe. Et puis il n'est pas patient, il s'énerve tout de suite. Cette nuit, j'ai géré Minus parce que moi je suis patiente, des fois je mets 20 minutes à essayer de lui faire manger un petit peu de pâté et tout ça. Sans corset, des fois j'avais mal au dos, mais tant pis. Parce que je vais laisser dormir quand même mon kidou un petit peu. Bref. Allez, je vous retrouve un petit peu plus tard. Ma sœurette passera, je pense, dans l'après-midi, ouais. Voilà. Je suis toute seule avec le diablotin. Ça va être sympa. Petit monstre. Il en profite, hein. Parce qu'il n'y a qu'avec moi qu'il est comme ça. Je suis trop gentille. Mais quand je vois ses petits yeux dorés, et sa petite moustache et son petit museau, je craque. J'ai envie de le bouffer. Retrouve, il est exactement 13h15, un truc comme ça. Ouais, 13h25. Ma sœurette est venue et bien grâce à elle, mon Nunus a remangé un petit peu et elle y a fait de la soupe. En fait, une pâtée liquide et il a la paix parce que comme il a mal aux dents, je suis trop contente et depuis, il fait son dodo. Gardez donc. Attendez. Oh, le voilà. Ça se réveille. Oh, mon pio-pio. Avec Tata. Oh, petit bonheur. Voilà. Ma sœurette est venue donc un petit coup. Elle avait des rendez-vous ce matin. Elle va manger avec nous. Elle mange des tripes à la tomate avec des pâtes. Et puis deux petites clémentines. Puis sinon, elle va aller avec maman. Moi, je ne vais pas sortir. Et puis moi, eh ben, depuis le temps, je vais finir. Mon endive au jambon avec du chèvre, j'ai remis un petit peu de chèvre dessus, et des pâtes. Voilà. J'ai une soif. Voilà mes chatons, je suis à contre-jour, veuillez m'excuser. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Je m'étais rendormie quand ma sœurette a ouvert, je dormais. Attendez, je vous nettoie le museau. Voilà, vous êtes plein de poussière. Allez, à tout à l'heure. Faites pas attention à ma tête, j'ai les cheveux propres, mais alors comme je suis tout le temps alitée, j'ai mis mon corset, bien sûr. Voilà. J'ai mal, j'ai de plus en plus mal, c'est une catastrophe, je sais pas pourquoi. Bref, c'est peut-être normal, hein? Allez, bon appétit mes chatons. Je vous retrouve à 18h30. Oh là là, ce que j'ai mal. Mon kidou est allé rechercher des antidouleurs à la pharmacie qui était renouvelable. Oh, parce que depuis hier soir, j'en ai plus. Et... Oh. Cet après-midi, on est allé marcher. Enfin. Traîner les semelles un petit peu cet après-midi, mais il faisait très froid, le vent était glacé, glacé. J'ai fait quoi? Allez, 250 mètres, 300 mètres. Et j'ai vraiment eu du mal à les faire. Je faisais beaucoup, beaucoup de pauses, mais c'est déjà ça. Après, elle m'a aidé à me refaire ma toilette parce que j'avais un peu transpiré. Et puis, je me suis restée allongée jusqu'à tout de suite, là. J'ai regardé la télé, on a goûté des petits gâteaux de Lidl, des petites gourmandises au chocolat, etc. Là, j'ai remis mon corset, mais j'ai froid. Je me fatigue très vite. Voilà, et j'ai mal. Je vais manger avant l'arrivée de mon infirmier. Aujourd'hui, c'est prise de sang et piqûre contre la phlébite. Voilà. Alors, là, je vais manger. On a bien goûté avec ma sœurette. Des surimi avec de la mayonnaise. Oh, j'adore cette mayonnaise de Leclerc. Voilà, mayonnaise aux œufs frais. Et aussi un petit peu de sauce béarnaise. Je vais manger du pain aux noix de Lidl avec du petit chavroux, vous savez, de la marque Repère. Et un petit flambi. Voilà, avec ça, quelques bonbons. Oh, c'est goinfré de bonbons créma, vous savez, mais de la marque Lidl. Voilà mes chatons. Mon kidou, il mange du boudin blanc et de la purée maison, si je me souviens bien. Il mange la gamelle qu'il n'a pas emmenée à midi parce qu'il l'avait cantine. Voilà, voilà. Et puis un yaourt nature et il mange une pomme. Voilà. Eh bien, mes chatons, ma sœurette, elle passe en fin de matinée. Elle a rendez-vous à 10h30 chez le médecin. Et après, elle me rejoint et elle mangera à la maison. Elle ira me sortir, on fera encore environ 200-300 mètres. Elle me refera ma toilette et puis peut-être qu'elle ira après avec maman, on verra, se promener. Parce qu'il faut quand même qu'elle profite et qu'elle ne reste pas avec moi tout le temps. La pauvre, elle s'ennuie. Elle me dit que non, mais bon, autant qu'elle prenne l'air, voilà. Je vous fais de gros bisous. Mon Nunus est derrière moi.
Voilà, regardez. Attendez. Coucou Nini. Où c'est mon Nunu? Oh oh oh. Coucou. Il est dans son petit cube. Eh, ma sœurette, il mangeait plus puisqu'il a mal aux dents. Eh ben, elle a mouliné la pâtée, elle en a fait un velouté, il a tout mangé. Un velouté entre soupe et velouté, quoi. Il a tout mangé maintenant, on va lui faire ça comme ça. Et il remange bien, parce que, bon, c'est sûr, on ne peut pas le faire opérer des tartrés et tout ça des dents, parce qu'il a 18 ans dans 3 mois. Et donc, il va remanger, et merci ma sœurette d'avoir eu l'idée. Et moi, je suis bête de ne pas y avoir pensé avant. Bon appétit, mon petit chat d'amour. Oh, mon kidou, il est fatigué, parce qu'il passe des nuits exécrables avec son Nunus. Bah oui, maintenant, c'est lui qui dort sur le canapé. Pour pas, il a peur de me mettre des coups dans le dos pendant qu'il dort, donc il préfère dormir seul sur le canapé. Et Nunus en profite. Allez, je vous dis à demain matin. J'espère que votre journée s'est bien passée. Nous, il a fait super beau, mais alors le vent glacial. Il n'y a pas fait plus de 5. Je vais y arriver. C'est les médicaments. Ou c'est le reste d'anesthésie qui m'a endormi mon dernier neurone. la folle est de retour. Bonjour, nous sommes mardi matin. On est mardi, hein? Dis. On est mardi, Nunus. Il s'est à moitié sur mes genoux. Hop, corset. Calé, petit déjeuner. Allez, il est 9h30 passé. Oh oui, 10h moins 10. Je viens d'appeler ma petite sœurette. Elle va chez le médecin. Elle mangera chez elle. Et puis elle viendra en début d'après-midi. Allez, bon petit pain aux céréales de chez Lidl, je vous le conseille. Avec du beurre et de la confiture à la Mirabelle. Ce que mon tout petit veut, c'est du beurre, hein ma poupée? Oh, je suis trop fière de lui, mes chatons. Trop fière de mon tout petit. Ah oui, je suis fière de mon fils. Petit bonheur. Il a été sage cette nuit. Et ça, c'est grâce à Tata Audrey. Oh mon Dieu. Oui. Oh, j'ai mal dormi. Grâce à ma sœurette, comme il a mal aux dents, eh ben on a compris. On lui fait du velouté, comme je vous disais. Un poil de chat. Et du coup, la nuit, c'est moi qui me lève. Hein. Kidou, il est trop fatigué, il n'est pas assez patient. C'est normal. Hein. Oui, mon bébé, il est fier. Oh, il est beau, mon bébé. Et donc, cette nuit, il s'est mis à miauler à 3h30. Je me suis vite levée, doucement quand même, hein. Sans mon corset, hein, tant pis. Je lui ai fait un petit velouté au poulet et je lui ai donné la béquille à la grosse cuillère. Il happe et hop, il s'est recouché. Il nous a plus du tout réveillé. Oh non, je suis fière, franchement. Voilà, ne mourrez de faim, pauvre petit bonheur. Allez, on fait la tartine et après, maman, elle te refait un petit velouté. D'accord, Pichou? Tu viens de faire une belle pisse. Ah oui, parce que je contrôle quand même les pissounets. Oh, je suis mal coiffée d'être toujours alitée. Je suis toujours mal coiffée, mais là c'est une catastrophe. Allez, je vous embrasse. Je vous remercie. Merci aux nouveaux abonnés. Merci ceux qui s'abonnent malgré le contenu un peu patapouf. C'est vraiment très 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 gentil. Ça me touche beaucoup de voir ma petite communauté grandir petit bout. Voilà. Parce que, comme je vous dis, là, j'avais commencé à toucher un petit peu 75€ par mois, là, les quelques mois. Et puis, je touche plus rien tellement ma chaîne est basse en vues, basse en quantité d'abonnés. Et puis, voilà. Et basse en temps de vues. Donc, voilà. Ça m'aidait bien, les 75€. Moi, je vous le dis. Ça nous faisait un caddie, une semaine, la cinquième semaine de mois qui était catastrophique. Allez, du coup, je vous embrasse très fort. J'ai mon tout petit qui vient de se mettre sur mes genoux pour l'échouiller le beurre, parce que le pain est encore un peu tiède. Je vais grossir, il va falloir qu'on refasse un corset, hein, moi je vous le dis. Hein. C'est pas beau, hein, non, c'est pas beau à voir. Et voilà mes chatons. Au bout d'une demi-heure, oh j'ai ma glamourétitude. Je suis recouchée jusqu'à midi et demi, 13h. Voilà, jusqu'à midi et demi. Le temps de manger. Ah, je me suis fait un gros sandwich, beurre, confiture de Mirabelle, c'était trop bon. Et mon tout petit, je lui ai refait un velouté de pâté pour chaton au poulet. Ça, c'est 3€ la boîte hein, que je paye. Et ben,
super. Il a bien lapé une dizaine de fois. Je suis trop contente. Voilà. Et là, je vais laisser le reste sur son doudou. S'il veut, il y retournera. Voilà mes chatons. Ça le nourrit quand même un petit peu. C'est pas ça qui est ça, mais bon. Au moins, il remange parce que comme il a les dents qui doivent se déchausser, qui sont entartrées. et à 18 ans, c'est pas possible de lui faire un bon détartrage, etc. Il m'a dit le veto la dernière fois où je l'ai emmené. Bon, et ben mes chatons. Ouh, je vais reposer un peu mon dos, j'ai retiré mon corset. Je vous retrouve un petit peu plus tard. D'accord, j'espère que votre journée a bien commencé. Il fait beau, mais il fait froid. Et ben moi, j'adore. J'irai marcher, enfin, ce qu'on peut appeler marcher, un petit peu après le repas, entre 14h et 15h, comme ça, ça libérera ma sœurette. Elle pourra faire ce qu'elle veut avec maman. Voilà, se promener, aller boire un coup, voilà. Profiter un petit peu du soleil, quoique maman n'aime pas le froid. Moi, je vais faire attention parce que la nuit, j'ai mal à la gorge, je ne peux plus avaler, c'est une catastrophe. Allez, mes chatons, je vous dis à tout à l'heure. Je vais regarder un petit coup mes comptes, mes emails. Vous mettre des petits cœurs et lire vos commentaires. Encore merci, merci. Je vous embrasse très fort. Franchement, merci aux anciens qui me suivent depuis des années et qui ont le courage de me suivre depuis des années. Et merci aux nouveaux qui s'abonnent à ma chaîne ou qui vont s'abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Vous voyez, mais c'est encore... pour YouTube, c'est pas assez pour que je touche des sous. Ouais, parce que plus votre chaîne a commencé tard et n'évolue pas, j'ai commencé en 2014, il me semble. Ouais, c'est ça. Oh, ça ne nous rajeunit pas. En septembre 2014, et ma chaîne n'évolue pas. Du coup, pour eux, je ne suis pas rentable. Voilà. Je ne suis pas rentable. Non, ben, je suis désuète. Allez, mes chatons. Encore merci pour tout. Je vais reposer un peu mon dos. Ouh, ça me brûle. Et puis, j'irai faire ma toilette tout à l'heure quand ma sœurette sera là. Voilà, là, je suis très fatiguée. À tout à l'heure. Et puis, j'irai jeter un petit coup si mon Ninus a encore lapé un petit peu son velouté. Je vous retrouve, mes chatons. Il est midi et demi. Je suis très fatiguée, très, très fatiguée aujourd'hui. J'arrive pas trop à me reposer parce que mon tout petit, depuis 9h30, me réclame pas mal. Il veut manger, mais il mange pas. Alors, je lui ai fait un petit velouté au poulet. Il en veut pas. Oh, veuillez m'excuser. J'ai mis mon corset. Tout à l'heure, je ne l'ai pas mis, mais bon, c'est vrai que je douille. Hein. Midi et demi, je me dis, allez, faut manger. Je voulais rester au lit. Je suis fatiguée. Et donc, allez, du boudin et de la purée maison que mon kidou m'a fait ce week-end. Voilà, je vais remettre une petite noisette de beurre hein, avec du sel. Voilà, et puis, ouais, je me secoue un peu parce que ma sœurette va venir vers 14h pour me faire marcher les quelques centaines de mètres, voilà. Tout doucement, mais sûrement. Il fait beau, faut en profiter, hein, parce que de toute façon, ça me fait ma rééducation. Voilà, voilà. Mais c'est vrai que, plus ça vient, plus j'ai mal. Hein. Voilà, ça tire quoi en fait, ça tire, je sais pas comment expliquer. Allez mes chatons, je vous dis bon appétit. Franchement, il fait beau, il fait moins froid qu'hier, ma sœurette m'a dit. Et ça, c'est très bien. Mon tout petit, il est dans son cube, mais il veut pas manger. Peut-être qu'il mangera quand il y aura Tata Audrey, je vous dirai ça. Mon kidou a téléphoné pour prendre des nouvelles. Voilà, bah, tout va bien, ouais. J'ai le lave-vaisselle à vider, mais je ne peux pas. Je peux pas me pencher, donc voilà. Allez, bon appétit mes chatons, et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Voilà, j'ai fini de manger mes chatons. Oh, j'en peux plus. J'ai gardé mon corset pour faire un brin de toilette. Là, je vais m'occuper d'abord du visage. Après, je retirerai mon corset et je ferai le torse. Voilà. Et je vais essayer de laver comme je peux les parties intimes de devant, sachant que derrière, je ne peux pas y aller toute seule. C'est ma sœurette qui m'aidera. Voilà. Donc, c'est une toilette de chat.
Et puis, quand on fait mon pansement tous les deux jours, hop, c'est ma sœurette Oukidou, c'est plutôt ma sœurette, qui me fait ma douche quand le pansement doit être changé, parce que souvent ça se décolle et ma cicatrice est mouillée et ça, c'est pas bon, quoi. Il faut pas la laisser en l'humidité. Allez, petite toilette. Le pansement, ça doit être demain. Ouais, c'est ça. Willy, allez, on essaie de faire une petite toilette toute seule. De toute façon, hein, je suis toute seule, je fais des contorsions de dos. Hein. Sont mes routes, les infirmières. Je vais essayer de me débrouiller toute seule. Allez, on commence par le visage. Et puis, après, on fera le torse et la zigoune. vous êtes content de le savoir. Hein. Ben ouais, c'est pas facile quand on n'a pas son autonomie. Je l'avoue. Coucou! Il est exactement... il doit être 15h. Je suis allée me promener avec ma sœurette. Je sais pas si je vise bien. Elle est toute belle. On a fait 500 mètres. Hein? Doucement mais sûrement. Il fait super beau. Oh, ça sent le printemps. C'est à moi? C'est le petit ciseau. C'était pas un petit paquet. Ah, c'est joli. Ça sent le printemps. Là, ma sœurette, elle m'a lavé. Alors, je fais quand même les parties que je peux me faire moi-même. Hein. Mais elle me fait le dos, les fesses, les pieds. Je prendrai ma douche demain, comme on me change mon pansement. Je prends une douche tous les deux jours. Et je me lave les cheveux comme ça. Voilà. Et bien, ça fait vraiment du bien de marcher. Par contre, là, ça tire, ça brûle. Et j'ai hyper mal dans les hanches et le bassin. Comme ils ont été chercher de la moelle épinière, de la moelle osseuse, oh, je ne sais plus, c'est la différence. Pour faire une greffe entre les vertèbres, c'est peut-être ça qui me fait mal, surtout sur la droite là. Lever la jambe et tout me fait très mal. C'est peut-être le temps que ça se soigne hein, et que ça se reforme, les trous où ils ont fait la greffe. Voilà. J'ai mieux marché qu'hier, je suis trop contente. Ben, j'ai pas fait à 100 mètres non plus, hein. Je suis pas encore au JO. voilà. Ma sœurette, elle a installé mon Unus. Il est dans son griffoir, mais elle a ouvert le jardin, en fait. Ça va aérer, hein. Kidou rentre pas, il va rentrer vers 17h30, 18h. Alors, on refermera la fenêtre, mais il faut que ça aère quand même. Hein. Et elle a mis le auvent. Je peux pas, j'aurais dû prendre la caméra pour vous montrer. Elle a mis le auvent devant la fenêtre. Vous voyez ce que c'est qu'un auvent, hein, de toute façon. Elle a mis le auvent en bois aéré devant la fenêtre du balcon. Et puis, elle a mis un petit griffoir avec un petit panier pour qu'il fasse des bains de soleil, mais sans être seul sur le balcon, quoi. Et comme ça, il ne peut pas aller sur le balcon, mais il prend l'air et le soleil malgré tout. Mais il s'est mis dans son petit cube, dans son grand griffoir, petit pépère. Et là, je suis contente. Alors, il ne voulait pas manger dans la gamelle. Mais alors, il mange, je lui donne la béquée au doigt et il mange comme ça, son petit velouté, sa petite soupe. Et ça le cale de temps en temps. Voilà, c'est pas un gros mangeur, hein, il ne mange pas beaucoup. Mais voilà, ma sœurette va aller me rechercher, je la rembourserai plus tard, des petites pâtées chatons, c'est plus nourrissant. Le veto a dit que c'était plus nourrissant, on pouvait intervertir avec des pâtés adultes. Donc c'est ce qu'on fait. Oh, pardonnez-moi, ça m'a fatiguée. Ah, puis alors, je me suis mis du déo là et tout. Et une petite eau de parfum citronné, ça sent trop bon. Tu veux pas que je te prête un vêtement? Parce que la pauvre, elle a un col roulé. Hein? Tu l'avais retiré le t-shirt qu'on t'avait prêté. Oui, je vais voir si je peux y prêter, elle va avoir trop chaud. Allez, je me repose jusqu'à temps que mon kidou arrive. Et puis j'irai voir de temps en temps mon Minus si je ne me suis pas endormie. A plus tard mes chatons, profitez bien de la journée si vous avez la chance de ne pas travailler. Enfin, si vous n'êtes pas au chômage, bien sûr, ça c'est moins drôle. Et nous sommes le soir, il est 18h30, mon kidou a préparé le repas. Il mange deux croque-monsieur qu'il a regarni de jambon et de gruyère. Une banane, un flambi, un yaourt nature. Alors c'est une pomme, pardon. Et moi, je mangeais quelques petits surimi avec de la mayonnaise. Voilà. Ouh, je me suis fait mal au dos. Kidou a raison. Je me suis penchée pour essayer d'attraper les yaourts nature en bas du frigo et je me suis fait mal.
un yaourt nature. Je vais y glisser du whole bran, c'est du sang pour les intestins, parce que le dieu des intestins n'est pas avec moi. Accompagné de confiture de reine, de Claude, je crois. Non, de prune. Oh là là, je ne sais point lire. Et des graines de chia que j'ai chez Action. Voilà. Ensuite, je mange un petit flambi. Ouais. Bon, j'adore ça, j'en ai repris sur mon drive. Et une petite banane. Rien que ça. Hein ? Je ne laisse pas aller la grosse. Allez, mes chatons, je vous souhaite bon appétit, bonne soirée. Ouh, je me suis fait mal au dos. Mon kidou, il a raison de me gronder. Alors, des fois, je me dis, oh, ça va aller. Et puis, non. Ça fait que 6 jours que je suis opérée. Mais il faut que j'y pense. J'espère que votre journée s'est bien passée. Mon tout petit est en hauteur. Hop là, il est là, ma petite gueule. Il fait son dodo. Il a bien mangé avant le repas, là. Il a mangé la moitié de sa petite pâtée. Je suis trop contente. J'espère que ce soir, il mangera un petit peu. Il faut que je surveille son pipi. Mais j'ai du mal parce que la litière est très basse. Allez, oh là là, la tête que j'ai. Oh là là là. Bonne soirée, mes chatons. À demain, si tout va bien. Et si ça vous dit, eh bien, journée banale, hein, demain. Comme d'habitude. Bah oui, hein. Je suis alitée. Voilà. À demain, mes chatons. Et voilà, mes chatons. Eh bien, me revoilà au lit. Il est exactement 19h. J'ai fini ma toilette, je me suis lavé les dents, toilette intime, j'ai mis ma crème de nuit, voilà. Et puis j'ai fait un bisou à mon Nunus, mais s'il a besoin, je me relèverai. Hein. Je me suis fait mal au dos en montant dans le lit. Aïe, j'ai mon pied caripé, du coup ça m'a tiré dans le dos. Et là, j'ai mis ma petite lampe de chevet et je regarde la télé et j'attends mon infirmier avec la petite stagiaire qui s'appelle Charlotte, qui est charmante comme tout et gentille comme tout. Voilà. J'ai une piqûre anticoagulant et je ne sais pas si c'est le pansement. Il me semble que c'est demain le pansement. Oui, ça doit être demain le pansement. J'espère, parce que sinon j'aime bien prendre ma douche avant le pansement parce que ça se décolle et comme ça il redésinfecte la cicatrice, enfin les 35 agrafes. Mes chatons, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous refais des bisous. Je ne pensais pas vous reprendre dans le lit. Voilà. Cet après-midi, j'ai reçu encore des boucles d'oreilles AliExpress. Oh, faut que j'arrête. Non, mais confisquez-moi AliExpress, les gars. Parce que comme je ne peux rien faire, je suis sur AliExpress tout le temps et je mets dans le panier et je valide. Et en plus, comme je ne peux pas faire les comptes, là, je suis alitée, je ne peux pas rester assis plus de 15-20 minutes. Et bien, je ne sais pas où on en est. Voilà. Alors, sur mes comptes, je peux voir ma banque, ça va, mais je ne peux pas voir la banque de mon kidou. Et j'aime bien faire moi-même mes calculs quand même pour prévision. Bref, ça m'angoisse tout ça, ça m'angoisse. Allez, je vous fais des bisous encore. Et puis, je vous redis à demain matin. Moi, j'attends mes infirmiers et des piqûres. Oui. Où elle est pas... Coucou mes chatons, nous sommes mercredi matin. Il est 10h, mais je suis levée depuis 9h30. Où est mon tout petit? Parce que le temps d'essayer de mettre mon bas de pantalon, de pyjama, de prendre mes médicaments, de m'occuper du petit machin que vous voyez là. Où est mon bébé d'amour? Il ne veut pas sa pâtée que je viens de faire toute fraîche. Bien moulinée, vous voyez, j'y fais des petits veloutés comme ceci et il mange mieux. Voilà. Il est donc 10h. Alors, Alice, on ne se laisse pas abattre. Du bon pain aux céréales de chez Lidl avec du beurre et de la confiture. Cette fois-ci, c'est de la confiture d'abricots. Voilà, de la marque Repère. Hein. C'est aux abricots. Alors, je ne prends pas parce qu'elle est allégée en sucre, mais elle est trop, trop bonne. Où c'est qu'il est, ce tout petit bonhomme? Oh là 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 là. Chafouineux. Voilà. Bon, j'ai commencé à regarder un coup mes emails. Aujourd'hui, on va aller. Faut que je fasse une lessive. Faut que je mette une lessive en route en fin de matinée. Et c'est ma sœurette. Oh, je tremble, excusez-moi. Et c'est ma sœurette qui l'étendra. Voilà, qu'est-ce que c'est? Je me sens observée. Coucou, bébé d'amour. Et puis, on ira marcher un petit peu. On essaiera d'aller jusqu'au banc où il y a les pâquerettes. Oh, j'ai pas fait mes sourcils, rien.
Et puis après, elle me douchera, voilà, parce que c'est le changement de pansement ce soir. Voilà, vous savez tout. Allez, on petit-déjeune. Puis alors, le temps de mettre le corset, tout ça. Voilà mes chatons. Oh, mon tout petit, hé. Et alors, hier, il nous a veillé qu'une seule fois dans la nuit, et là, deux fois. Une à minuit et demi et une à 3h30 pour manger. Voilà mes chatons. J'espère que votre mercredi matin a bien commencé. Chez moi, il fait beau, mais il fait frais. Mais il prévoit un après-midi pas froid du tout. Voilà, 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 ça c'est cool. Ça sent le printemps. C'est même déjà le printemps. Il y a des petits arbres en fleurs. Ah ouais, il y a des pâquerettes et tout. Et puis des petites pensées dans les herbes. C'est trop mignon. Je vous reprends, il est midi et demi, bien passé. Mon Minus n'arrête pas d'hurler. Il n'a pas mangé les pâtés que je lui ai faites, du coup je les ai données aux poules. Là, je me suis fait, il faut que je le finisse, mon reste de boudin et de purée maison. Et puis je vais manger une banane, parce qu'il faut que j'ai quand même des forces pour aller marcher. Et après je m'occupe de mon tout petit, oh je suis à contre-jour, excusez-moi. Je m'occupe de mon tout petit pour sa pâtée, parce que Piu-Piu des îles, je sais ce qu'il veut, il veut aller dehors. Mais maman, elle n'a pas de force, elle ne peut pas rester assise. Et je ne veux pas que tu ailles tout seul dehors, Piu-Piu. Oui, tu es en colère, je le sais. Moi, elle est en colère. Petit bonhomme. Je me dépêche de manger et je lui fais sa pâtée. Ah, mon Piu-Piu. Oui, ma ganouille. Neuronchane, hein. Oui, chafouineux. Ouh, le chafouineux. C'est un coquin. C'est un coquin. Allez, bon appétit, mes chatons, et je m'occupe de mon tout petit après. Je m'occupe de toi après, Mimi d'amour. Petit coquin. Mes chatons, il est 15h30, je t'ai allongée, j'ai étendu ma lessive comme j'ai pu. Je n'ai pas tendu ma serrette, tu dis hop, tu essayes. Oh, j'ai fait quelques petites torsions, hein, j'avouerai. Il est 15h30, je viens de dire, et on s'apprête à aller marcher un petit peu parce qu'il fait un temps superbe. Regardez-moi ça, comme il fait beau. C'est le printemps. J'ai tiré un petit peu mes rideaux parce que sinon ça fait un peu chaud dans l'appartement. Voilà, et je vous emmène avec nous. Dès qu'on fait une petite pause, on allumera la caméra. Mon objectif est coquin. Oh, je suis toute moche. Ma sœurette, elle a des cheveux magnifiques. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux ? Mon tout petit a dormi. Coucou mes chatons. Il est bientôt 16h, 16h moins le quart peut-être. On a marché un petit quart d'heure, oh oui. 16h moins le quart. Et j'ai bien marché qu'hier, hein, ouais. Ah oui. Et regardez, donc nous sommes le long du Jules Guesme, et regardez comme c'est beau. Ils ont fait tout un chemin de jonquilles. C'est magnifique, hein, tout le long du parc comme ça. Alors bien sûr, c'est bruyant, ça roule, mais c'est superbe. Même derrière, c'est rempli de jonquilles, regardez. C'est magnifique. C'est très bucolique, ça sent le printemps. On est trop bien. On fait des petites haltes, on ira jusqu'au banc là-bas, puis on repassera à rue Viennette. Voilà. Ma sœur est à soif. Moi, j'ai pris des bonbons. Pour la soif, encore plus. Elle est pas belle, mais elle a des cheveux magnifiques. Avec ses lunettes, magnifiques. C'est trop beau. Eh bien voilà mes chatons, nous sommes rentrés à la maison, ça fait bien une heure. Hein. Et là je sors de la douche, ma sœurette m'a douchée, mes cheveux sont tout propres, regardez donc. Voilà, je sens bon. Et là je repose mon dos parce que ça fait plus d'une heure et demie que je tricote des patounes. Heureusement que ma sœurette est là hein, pour me laver. Oh, c'est qui douille encore au travail là. Voilà, et puis elle m'a fait manger mon petit Nunus. Il a pas mal mangé. Petit bonhomme, il a mangé 2-3 grosses cuillères de velouté. C'est très bien, petit père. Je suis trop contente. Voilà mes chatons. Allez, je me repose un petit peu. Ouh, j'ai les boutons qui grattent. Ça brûle et ça pique. Ah, ça fait des aiguilles. Ma sœurette vous fait de gros bisous. C'était trop bien, hein ma sœur? Ah, on était bien, il y a des jonquilles là, avec les petites mésanges. Je vais même rester un peu beaucoup assise, mais j'avais pas trop mal, ça allait. Puis j'ai bien marché, hein ma sœurette. C'était trop bien. Ouais. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure.
Ah, puis alors d'avoir pris la douche, là, c'est trop bien. Ce soir, mes infirmiers, j'ai une piqûre donc anticoagulante et on change mon pansement. Ça aussi, ça va faire du bien, là, qu'ils désinfectent la cicatrice et qu'ils en mettent un peu sur les boutons, là, parce que ça me brûle, ça me pique, c'est une horreur. Vous verriez l'état de mon dos, ma sœurette, elle a fait une... elle a fait une, comme... une photo, c'est une quête... Oh, quelle horreur. Oh, ça donne envie de vomir. Ça coupe l'appétit. Alors, ma sœurette est rentrée à la maison. Elle est bien rentrée, elle va se reposer. J'ai mis mon tout petit. Oh, ben il s'en va. Ma crapule. Il est tout maigre. Ouh. Ce soir, j'envie de surimi avec de la mayonnaise. Il faut que je finisse du jambon. Je vais mettre du Saint-Moray à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je vais me faire un petit bol de fromage blanc. Voilà. Avec de la confiture de prunes, des Kellogg's et des graines de chia. Ça, c'est pour l'intestin. Et puis, pour la faim, eh ben, un petit flan. Et mon kidou, il mange des pâtes avec de la viande hachée bolognaise. Et puis, un yaourt nature, un flambi et une pomme. Voilà mes chatons. Hein? Il n'y a pas de yaourt nature. Ah non, il ne mange pas de yaourt nature. Voilà mon kidou, il est là-bas. Tout seul, célibataire, pauvre gamin. Mon tout petit, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il va à la pisse. Il va à la pisse. Ah, pauvre petit bonheur. Je vous fais de gros bisous. Oui, oui, quelqu'un arrive, bébé. De gros bisous. Je me surpose encore un petit coup de ses cheveux. Voilà, il est génial. Merci, ma sœurette. Et puis, je vous dis à demain matin. Oh, demain, je suis bloquée toute la journée. Tant que le technicien n'est pas passé, il passe dans tous les apparts. Voir les chaufferies, les ventilations, etc. C'est tout est aux normes. C'est tous les ans, voilà, comme ça. Alors, il passe le 10 mars. Point barre, tu te démerdes, tu restes bloqué toute la journée. Ils sont sympathiques, hein? Voilà, voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à demain. Et là, j'ai ma cicatrice qui me démange avec tous les boutons que j'ai dans le dos. C'est une horreur. À demain. Et puis, une fois que j'aurai mangé, j'irai me laver les dents. Me rallonger, j'attendrai mon infirmier et la petite stagiaire Charlotte. Voilà. Et là, c'est piqûre anticoagulant et changement de pansement. Voilà, mes chatons. Allez, à demain. C'était génial cet après-midi, ma sœurette. Merci beaucoup. Coucou, mes chatons. Nous sommes jeudi. Il est 11h. Je viens juste de me rallonger parce que donc je me suis levée à 9h30. J'ai petit déjeuner, une grosse tartine, enfin un gros sandwich beurre confiture de Reine Claude, voilà. Et puis après, eh ben, j'ai un technicien qui est venu pour vérifier tout ce qui était salle de bain, WC, VMC, chaudière, ventilation, etc. C'est une vérification tous les ans, tout est OK, voilà. Donc j'ai pas pu vous prendre avant, je suis restée assise... avec mon corset, voilà, et puis j'ai montré au monsieur, il me demandait la salle de bain, les toilettes, etc. Il est parti, ça fait une demi-heure à peu près, demi-heure, trois quarts d'heure, et là je me suis rallongée parce que de rester assise avec mon corset, j'avais assez mal. En plus, je suis fatiguée, mon anus m'a réveillée quatre fois cette nuit, où je suis restée assez longtemps debout cette nuit. Voilà, voilà, parce que j'essayais de le faire manger, j'y faisais une pâtée, enfin un petit velouté. Et là, il a quand même pas mal mangé, il mange au doigt en fait. Faut que je trempe, il mange au doigt, sinon il mange pas. Bref, c'est pas grave, j'ai le temps de toute façon. Le principal, c'est qu'il mange mon bébé. Là, il fait dodo, il peut tarder à me réveiller, il va pas tarder à m'appeler, petit bonhomme. Aujourd'hui, je ne sors pas. Oh, pardonnez-moi, je vais me reposer. Je suis fatiguée, ma sœurette, et puis j'ai pas le droit de sortir toute seule, quoi, au cas où je chute. Je voulais aller marcher un petit peu, parce qu'il fait super beau, mais mon infirmier m'en a interdit seule, et mon kidou et ma sœurette aussi. Voilà, je dis, oui, mais je vais marcher doucement. Oui, mais si tu chutes. Bon, c'est vrai, je peux me faire mal. Voilà, voilà. Et donc, je vais rester à la maison. Donc, je vais me reposer, et puis cet après-midi, je vais peut-être dormir un petit peu. Donc, super programme. Il est exactement 11h, je crois. Oui, 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 c'est ça, 11h. Moi, je mangerai à midi et demi, c'est assez. Pardonnez-moi.
Hier soir, ils ont changé le pansement, mais ils ont remis un pansement allergique. Où je suis allergique. Vous verriez l'état de mon dos. C'est une catastrophe. J'essaierai de vous mettre une photo. Voilà. Je vais mettre un gros titre. Allergie catastrophique. Voilà, mes chatons. Non, franchement, j'ai le dos rempli de boutons. Pas infectés, mais très, très, très rouges, violacés. C'est une catastrophe. Jusqu'en haut du dos et jusqu'en bas des fesses. Une horreur. Et ça me brûle, ça me démange, c'est une horreur. Bref, voilà, voilà mes chatons. J'espère que votre programme est mieux que le mien. Oui, je vais prendre un temps pour me reposer. Parce que j'aime pas, il fait beau, moi j'ai envie de profiter du soleil. On a eu tellement un hiver pluvieux, bruineux, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout l'hiver, que dès qu'il y a un brin de soleil. Ma sœurette n'est pas là parce que... elle va faire les courses. Je lui ai donné une petite liste pour Lidl. Banane, clémentine, pommes, pain aux céréales et des petites lingettes. Voilà. Voilà mes chatons. Et puis le drive que dans mon kidou. Oh, pardon. Je comprends pas. Pour le lundi dernier, lundi de cette semaine, je vous avais mis une recette en vidéo et YouTube l'a supprimée. En fait, c'était une ancienne vidéo qui datait de, par exemple... 9 mois à peu près, même un an. Et je me suis dit, bah pour ceux qui vont pas voir les playlists et qui regardent pas toutes mes vidéos, je vais leur remettre au fur et à mesure tous les lundis une petite recette. Comme ça, j'ai changé la date de programmation, j'ai mis au lundi et YouTube l'a supprimé. Bah comprendre. YouTube, c'est de pire en pire. Allez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à tout à l'heure. Plateau repas. Oui, donc ce matin, j'ai pas filmé. Hein. Un morceau de pain, du beurre et de la confiture. Tout un programme. Je vous prends à midi et demi, mes chatons. J'étais avec ma sœurette en visu. Là, j'étais en train de faire une petite pâtée. Donc, vous voyez, mon Nunus, à cause de ses dents, il mange plus que comme ça. Ce sont des boîtes que je mouline électriquement. Hein, et je mets de l'eau pour que ce soit un petit peu velouté. Là, j'ai fait un petit peu épais. Si ça ne va pas, je vais remettre un petit peu d'eau. Donc, comme ça, il lappe et ça y fait moins mal aux dents. Ses dents bougent et on ne peut pas l'opérer. On peut plus l'opérer, m'a dit le veto. Voilà, donc, des fois, il y a des petits bouts. Bon, je fais au mieux. Voilà, vous voyez, donc c'est tout onctueux comme un velouté. Voilà, donc là, il n'en veut pas, jeune homme. À midi, je vais manger des surimi avec de la mayonnaise, un peu n'importe quoi, du pain avec du chèvre roux de la marque Père. Et deux clémentines. Qu'est-ce qu'il y a le petit crapouillou? Nini? Minus? Je suis là bébé. Et papa est au travail. Minus, viens. Je suis là bébé. Il est sourd en plus. Viens mon titou, viens. Viens mon titou. Oui, c'est les affaires à papa. Petit bonhomme. Viens. Viens, maman. Et il va aller sur le balcon, il fait beau. Mais je veux pas qu'il y aille tout seul parce qu'après, il monte sur la table. Viens, mon piou-piou. J'ai mis mon corset, bien sûr. Allez, je vous dis bon appétit. Je mange. Et si Minus veut manger, j'arrêterai et je le ferai manger lui. Voilà, priorité à mon tout petit. Il faut qu'il grossisse. Hein, mon bébé. Allez, à tout à l'heure. J'ai rien fait ce matin. Ah bah si, j'ai attendu le technicien et voilà, j'ai continué à remplir un dossier social parce qu'en fait on a du mal à payer ici et on essaie de trouver moins cher. Oui mon bébé, maintenant il a pris l'habitude de monter sur mes genoux. Tiens, on essaie de trouver moins cher et d'être dans le même immeuble que ma sœurette, voilà. Mais dans un petit immeuble, 2 étages maximum. Voilà, voilà, voilà. Il y a plein de trucs qui se construisent, c'est terrible. Voilà. Mais alors les prix, oh la vache. Non mais un F2, un F3, c'est 700 euros quoi. Chez moi. On est à 1h30 de Paris, 1h30 de Reims, 1h. Enfin, allez. On est à 1h30, 2h de Paris, 1h30, 2h de Reims,
et 1h30, 2h de Dijon. Donc à côté des grandes villes, donc maintenant, ben, c'est bien, ils viennent dépenser chez nous, mais bon, tout a éclaté, quoi. Les loyers, l'alimentation, oh, et ça y est, l'essence, nous, elle a dépassé les 2 euros, 2,30 euros dans mon département à 3. 2,30 euros le litre d'essence. Moi, c'est du E10, hein, c'est de l'essence classique, je n'ai pas de voiture diesel. 2,30 euros le litre d'essence. Non mais, ben moi, je prends la voiture, je ne la prends pas beaucoup. Mais mon Kidou, il m'a dit qu'il allait reprendre le vélo quand il pouvait, à partir de la semaine prochaine. Quand il n'est pas chargé à cause du travail en paquet, en technique, etc., il prendra le vélo. Et voilà. Bon, allez, sur ce, le tout petit est monté sur mes genoux. Maintenant, il monte tout seul sur mes genoux. Dès que je suis assise, c'est trop mignon. Hein, mon bébé? Oh, maintenant. Bon, oui, moi, ça, je trouve ça chou. Hein. Oui, je vais voir si tu veux du surimi ou du Saint-Moré. Enfin, du chèvre. Allez, bon appétit, mes chatons. Je vous embrasse. Oh, je suis en contre-jour, veuillez m'excuser. Il est exactement... Quelle heure est-il donc? 5h15. J'ai pris un petit peu le soleil sur ma terrasse, mais là, ça fait plus de 30 minutes que je suis assise sur ma terrasse et j'ai mal dans le dos, donc je me rallonge. Ma sœurette est sur le balcon avec mon Kidou. Et mon petit Nunus vient de descendre de son griffoir pour faire un câlin à sa tata. Voilà, et moi je me rallonge, j'ai trop mal. Voilà, voilà. Ma sœurette m'a détendu mon linge, enfin, je l'ai aidé un petit peu, et puis elle m'a plié mon linge et rangé mon linge. Voilà, et là, on a mis en route une seconde lessive. J'essaierai de la détendre toute seule. De toute façon, la dernière fois, je l'ai tendue toute seule. Hein. Bon, c'est pas bien parce que ça m'a tiré dans le dos, mais bon, ma sœurette en fait assez comme ça. Elle m'a ramené mes petites courses de Lidl. Elle m'a pris 4 baguettes aux céréales, je les adore ces baguettes-là, 10 bananes, un filet de clémentine, 6 pommes d'Alsace bicolore et un sachet de lingettes bébé que j'utilise des fois pour quand Nunu se salit ou vomit ou pour moi, pour me rafraîchir, tiens, où j'ai mes boutons ou voilà, ou les pieds, voilà, voilà mes chatons. Elle m'a fait mes petites courses de Lidl. Donc, je vous dis, des bananes, des clémentines, des pommes, 4 baguettes de céréales et des lingettes bébé. Je n'ai jamais essayé les lingettes bébé Lidl. Je vais essayer, tiens. Voilà, ma sœurette m'a dit qu'elles étaient pas mal. Voilà mes chatons et mon Kidou demain, vendredi, ira chercher le drive. Allez, je vous fais des bisous. J'ai fini de répondre à mon dossier social... Aube 3, voilà. On n'a plus qu'à mettre, vous savez, les communes qu'on veut en priorité. Voilà, on essaiera de les mettre identiquement avec ma sœurette. Elle va me rappeler ou m'envoyer une photo ce soir. Et comme ça, il sera fait, le dossier. Voilà, voilà, voilà. Et puis ce soir, je voudrais que mon Kidou me débranche un petit coup mon ordinateur portable. Je ne peux pas le faire toute seule, il est trop bas. Il est sur un tout petit meuble. Et puis, je voudrais essayer de faire quelques litiges AliExpress parce que j'y arrive toujours pas. Ça fonctionne jamais. On peut pas intégrer les photos. Quand tu fais valider, ça valide pas. Enfin, moi, je sais pas si vous avez ces problèmes-là. Là, ça ne fonctionne pas. Et j'ai toujours pas pu faire un litige concernant deux blushs que vous avez montré en vidéo. Et qui était arrivé complètement brisé. Et il y en a quand même pour près de 4,80€, 5€. Donc, je voudrais quand même pouvoir faire le litige. Et j'ai plus qu'une journée pour le faire. Voilà, 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 mes chatons. Il n'est pas bien tes lunettes sur le bord du nez, comme ça. J'ai aussi quelques litiges de boucles d'oreilles, mais que j'arrive pas à faire. Voilà. Et je sens que je vais encore m'asseoir sur les sous. Voilà, 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 voilà. Allez, à plus tard, mes chatons. Il est donc 17h40 maintenant. On se retrouve le soir, il est 18h30 comme les poules, à table. Mon tout petit,
Il est en train d'embêter papa, mais en même temps, mon Kidou est en train de manger des pâtes à la bolognaise avec du gruyère. Mais mon tout petit, il n'en veut pas, puisqu'il a mal aux didines. Tu as donné un petit bout pour voir? Il veut pas? Il mange également, mon Kidou, un fromage blanc, un yaourt nature, n'importe quoi, un flambi et une pomme, si ma mémoire est bonne. Moi, je vais manger une banane, parce que là, on a acheté plein de bananes et elles sont très mûres. Une banane, une clémentine, du fromage blanc avec du whole bran, du son, que je vais mélanger avec de la confiture, voilà, bonne maman, et des graines de chia que j'ai chez Action, comme d'habitude. Et je vais me faire un sandwich de pain aux céréales avec de la confiture. Ah, 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 ouh, la pas gentille, elle avait planqué un flambi, un monsieur flan de la marque Repère, qui sont tout aussi bons que flambi, je pense. Je ne sais pas si j'ai jamais goûté la marque flambi. Voilà mes chatons. Et là, ce sont tous mes médicaments. Alors, voilà, j'ai tout ça, plus un sachet pour les intestins, parce que, ouf, 4 jours que le dieu des intestins m'a oublié, j'ai mal au ventre. Voilà mes chatons, je vous dis bon appétit. Et puis, entre 20h et 21h, j'ai mon infirmier qui vient, et je pense qu'il va me changer mon pansement encore, parce que mon Kidou a réussi à mettre la main sur les pansements qui ne seront pas, où je ne serai pas allergique. Ouh, alléluia, parce que là, ça me brûle, ça me pique. En plus des douleurs, alors là, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'il a, mon tout petit? Crapouillou. Je vous dis bonne soirée, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, je suis restée 30 minutes, c'est un peu beaucoup sur la chaise, j'avoue, je commençais à avoir mal, avec mon corset au soleil, avec ma sœurette et mon Kidou. Qu'est-ce qu'on était bien! Dommage, au bout d'un moment, il fallait que je m'en aille pour aller m'aliter. Mais bon, c'est comme ça. Ça ira mieux un autre jour. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à demain. Demain, nous sommes vendredi, le jour du drive, pour le soir, pour mon Kidou. Coucou mes chatons, nous sommes vendredi, il est 10h. Oh, ça fait une demi-heure que je suis debout, 9h30 à peu près. Et mon Nunus m'a réveillée 5 fois cette nuit. 5 fois pendant 20 minutes où j'ai essayé d'y donner à manger. Mais il a bien mangé cette nuit, je suis contente. Mais je suis exténuée. Qu'est-ce que c'est que cette coupe? Aujourd'hui, donc il est 10h, mon tout petit veut aller dehors, mais je pense que je ne vais pas aller marcher aujourd'hui. Viens ma pupuce, viens. Nini, je ne vais pas aller marcher. Excusez-moi. Il y a plein de vent et c'est gris. Ouais, regardez. Ouais, pas terrible le temps, pas terrible. Je voudrais pas être malade. Viens ma granule. Hop là! Maintenant, tous les jours, il monte sur mes genoux. C'est rigolo. Il le faisait pas avant. Mon petite grenouille. J'ai l'impression qu'il a repris un petit peu du poil de la bête. Allez, ce matin, ouais, on se laisse pas abattre. Hein. Un gros sandwich, du beurre et de la confiture de Reine Claude. Mon Dieu, ça tiens, j'ai les papilles qui frétillent. Qu'est-ce que c'est, petit bonhomme? Je vous dis à tout à l'heure. Et après, j'essaierai d'aller me recoucher. J'ai fait une pâté pourtant. J'ai fait un velouté, là, encore, de pâté bébé chat. Mais il ne veut pas manger. Je ne sais pas ce qu'il veut. Il veut des bêtises. Hein. Il veut manger des... Ah, il veut un petit peu de beurre, maman, voyant Denis. Là, 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 là. Il a dormi un petit peu avec moi. Pendant 20 minutes, il était avec moi sur le lit. Hein, mon bébé? Oui, mon tout petit. Oui, c'est ma granule, ça. Mon bébé, oh, je t'aime. Allez, à tout à l'heure. Je pense pas que j'aille marcher, donc je vais laisser l'après-midi à ma sœurette. Comme ça, si elle veut aller faire des trucs, aller se détendre un peu dans les magasins ou quoi. Elle est allée au soutien actif, c'est l'association contre le cancer du sein. Elle achète et elle dépose aussi gratuitement. Oui, mon bébé. Et puis, sinon, elle va souvent au foyer au bois. Voilà, c'est une association également. Il y a des vêtements pas chers, de seconde main. Elle s'habille beaucoup, elle s'habille tout le temps en seconde main. Voilà, voilà, voilà. Allez, moi, je mange et je vais essayer de me rallonger. Denis, viens essayer. Ah, mère de famille, c'est pas facile.
Bon, ben, position favorite du mois de mars, allongée, après le petit déjeuner, voilà, j'ai retiré mon corset. Je suis contente, j'ai réussi à nourrir mon tout petit, il a mangé la moitié de son petit velouté de pâté de chat. Pour chaton. Ah, je suis trop contente. Et là, il s'est recouché, le ventre pas mal rempli, trop contente. Allez, moi je vais regarder ma bande, tout ça. Et puis, lire vos petits commentaires, etc., etc. Et puis, je ne pense pas donc aller me promener. Je vais voir avec ma sœurette, parce qu'il y a beaucoup de vent froid. Et comme je suis un petit peu enrhumée, je ne voudrais pas aggraver le cas. Voilà, voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure, mes chatons. Et désolée pour la position. Mais ça va être ça pendant des semaines. Bienvenue à vous, les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour déclencher un concours gratuit par tirage au sort à partir de 6000 abonnés quand j'aurai déclenché les 6000. Voilà, voilà. Pardon, je me suis étranglée avec, avec mon eau tout à l'heure. C'est d'une catastrophe. Noyée. Je vous prends, il est 13h. Ouf, j'ai mal au dos ce soir, aujourd'hui. Je ne mets peut-être pas assez mon corset. Ou alors, je fais un peu trop de mouvements interdits. Ça doit être ça. Au bout d'un moment, on reprend ses habitudes et je crois que là, ça me rappelle à l'ordre. Je vous reprends à 13h, j'étais en ligne avec ma sœurette. Il y a un truc bizarre dans la chambre. Au-dessus de la fenêtre, mon kidou, il y a une aération. Il a mis du scotch parce qu'on sentait trop l'air et ça soulève. Il y a une bébête qui grignote et qui soulève le scotch. J'espère que c'est pas une araignée ou... Oh là là là. Ou alors c'est peut-être un gros bourdon. Ou un frelon. Oh, j'ai peur. Bref, on verra ça avec ma sœurette. Elle se douche, elle mange et après elle me rejoint. Elle est 13h. Oh, j'ai mal. Je vais manger. J'ai pas envie de viande. J'ai mangé du chavroux, mais de la marque Repère Leclerc, avec... du pain aux céréales, oh, j'en ai plus beaucoup. Ensuite, deux bananes, deux clémentines, un flambi. Ah ouais, j'ai envie de flambi, j'ai envie de frais. Et j'ai sorti de la confiture à la Mirabelle, parce que je vais couper mon pain en deux, voilà. J'ai envie de sucre. J'ai envie de flambi et j'ai envie de sucre. Oh, je suis en contre-jour, veuillez m'excuser. Il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent et il prévoit de la pluie d'ici ce soir pour le week-end. Ouais. Mais bon, il fait plus très froid, hein. Il fait 12, je crois. Donc, voilà. Et regardez, il y a un petit arbre, il a fleuri. Mais il y a encore des gelées qui vont venir. Hein. Hop. C'est le petit péché à mon kidou. Trop mignon. Vous voyez, là, je fais une fausse manipulation. Une mauvaise position. Allez, je vous souhaite bon appétit. Et puis, si on va se promener, je vous prendrai avec nous. Mais bon, on fait toujours le même chemin, hein, c'est ça. Vous allez vous lasser. Parce que je ne fais pas 500 mètres. Hein. Je ne fais pas des kilomètres et je n'ai pas le droit à la voiture. Donc, autour, nous allons autour de la petite de notre appartement. Allez, à plus tard, mes chatons d'amour. Kidou, la télé. Coucou. Je vous reprends. Il est 19h moins le quart. Ma sœur était passée un petit coup. Là, j'ai mis mon corset. Mais ça fait un petit moment que je le porte et j'ai énormément mal au dos. Ce soir, comme j'ai bien mangé à midi et que j'ai goûté du pain à la confiture et des bonbons, eh ben je me suis fait des petits camemberts surgelés au four, qu'on a à Aldi, et du poisson pané aux épinards que j'ai chez Aldi. Puis je vais me faire une petite tartine de confiture à la Reine Claude, et puis voilà, ce sera déjà bien. Je trouve que je mange un peu trop en ce moment. Mon kidou, il s'est fait des nems, 4 petits nems de Leclerc, et là il va manger un cordon bleu à la crème de champignons, voilà, voilà, et puis un yaourt nature, un flambi, je pense une pomme, voilà, et puis ce sera tout. Mon tout petit est dans le cube, voilà, il a bien mangé, je suis trop contente. Après j'irai me laver les dents, j'ai fait ma toilette avant de manger, et puis j'irai me laver les dents, mettre mes crèmes de soie. Et puis j'irai attendre dans le lit mon infirmier. Voilà, voilà mes chatons. Je vous dis bon appétit, bonne soirée. On n'est pas sorti avec ma soeur. Enfin, ma soeur était sortie toute seule. Je ne suis pas sortie, j'ai dormi toute l'après-midi. J'étais très fatiguée. Et puis, de toute façon, il ne faisait pas beau. Alors, et demain, il prévoit de la pluie. Mais ça y est, le printemps est parti. Et il reviendra.
Oh, petit bonheur! Mon petit Nunus qui descend de son cube. Allez, à demain, mes chatons. Bonne soirée! Bienvenue, mes chatons. Nous sommes samedi matin. Il est 8h30. Eh oui, je suis levée à 8h. Je viens de petit déjeuner, un gros morceau de pain aux céréales de chez Lidl. Je vous le conseille à 10 000% encore et toujours, avec du beurre et de la confiture de Mirabelle que j'ai terminée. Voilà, voilà. J'en ai profité pour nourrir mon tout petit. Voilà, Kidouille a mis de l'eau fraîche. Il s'est rempli l'estomac d'eau fraîche, petit monstre. Et ensuite, il n'avait pas mangé depuis 2h du matin, dis donc. Et ça faisait 3 fois qu'il me réveillait en montant sur mon lit. Pourtant, Kidou était debout. Mais il voulait que sa maman lui donne à manger. Donc là, je viens de le nourrir. Je me suis nourrie en même temps, pris mes médicaments et je me suis recouchée parce qu'il est que 8h30. Donc je vais encore m'endormir un petit peu. Je suis assez fatiguée et j'avoue que plus les semaines avancent, c'est différentes douleurs qui sont là dans mon dos. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas, hein, c'est comme ça. Puis il y a le temps. Hein. Là, il pleut depuis hier soir. Et là, il n'y a plus. Et c'est tout gris, c'est tout moche, c'est humide, c'est dégueu. Voilà. Mais bon, on a eu une bonne semaine quand même. Ça sentait le printemps. Je vous souhaite un bon week-end, mes chatons. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous retrouve un petit peu plus tard dans la matinée. Allez. Il y en a peut-être qui dorment encore. Et on se retrouve. Il doit être 12h30 passé. Voilà, la gorge. Attends, je suis pas sortie. Voilà, il est 12h30 passé. Mon tout petit embête son papa, bien sûr. Mon Kidou a fait la pâtée. A fait le manger. Oh mince, les médicaments. Non, c'est bon, pas tout de suite. Alors, escalope milanaise qui a hyper rétréci. Quand je les ai achetées, elles étaient le double. Et des pâtes au beurre. Voilà, voilà, voilà. Et là, on va goûter un petit pamplemousse d'un pamplemoussier de jardin. C'est de son collègue? Ton collègue? Oui. Le petit pamplemousse? Non. Voilà mes chatons. Mon Kidou mange la même chose. J'ai dormi jusqu'à fin de matinée. Je suis fatiguée. J'ai un contre-coup de l'opération, c'est une catastrophe. Allez, on se retrouve un petit peu plus tard mes chatons. Je retournerai au lit, mais avant je mettrai une deuxième lessive et il faudra que je détende la première et que je l'arrange avec mon Kidou. Voilà, voilà, mes chatons. Nunus, laisse papa. Il est trop mignon, regardez. Nunus, il n'a pas mangé son petit velouté aujourd'hui. J'essaierai de le faire manger tout à l'heure. Allez, bonne soirée. Non mais je ne sais plus où j'en suis. Bon appétit et puis bon samedi. Eh oui, j'ai retrouvé ma position de malade. Il est exactement 15h. Eh bien, figurez-vous que j'ai dormi une bonne heure et demie là et ça m'a fait du bien. Juste avant de me rallonger après le repas, j'ai détendu une première lessive. Voilà, que j'ai plié avec difficulté. Mais il n'y avait pas grand-chose à plier, il y avait 3 t-shirts. Hein. Le reste, c'était des serviettes de bain, etc. Et là, j'ai une deuxième lessive qui va se terminer de vêtements de travail de mon Kidou que j'étendrai au mieux que je pourrai. Voilà, voilà, parce que mon Kidou est parti chez son pote Michel. Et il est parti également chercher ma commande Zomilia. C'est un nouveau site de pâté pour animaux, d'accessoires, etc. Comme Zoo Plus, comme Maxizo. J'ai trouvé ça en tapant pâté Leonardo pour chaton, et parce qu'il n'y en avait pas sur les autres sites. Et j'en ai trouvé. Zoomilia, voilà, Zoomilia ou Zoomalia. Non, c'est Zoomilia. Et c'est un nouveau site, donc je me suis abonnée et j'ai trouvé les pâtés de mon Nunus, voilà. Et mon Kidou est parti également, en plus de son copain Michel, chercher ma commande. 35€, j'en ai eu, avec les frais de port, j'en ai eu pour 35€. Ouais, j'ai eu des frais de port parce qu'il fallait jusqu'à 70€ de pâté
Et je ne voulais pas en prendre 48 comme mes autres commandes, parce que j'ai encore plein de pâtés au-dessus de mon meuble de cuisine et que Minus ne mange plus. Donc, je pourrais faire un élevage de 10 chats, avec tout ce que j'ai dépensé. Parce qu'il y en a pour énormément d'argent. Et là, mon Minus, je lui ai pris ces grandes boîtes de 400 grammes de pâté pour bébé chat, voilà, parce que c'est très nourrissant. Le véto a dit à ma sœurette. Donc, ça ne peut pas lui faire de mal, bien au contraire. Et là, il les mange, voilà. Là, à midi, je lui ai donné un petit peu de poulet de mon escalope milanaise. Donc, il n'a pas mangé autre chose. Il a fait sa pisse, là, et il a fait son dos. Il est reparti faire dodo, il ne voulait pas de pâté. Donc, j'y referai un petit velouté de pâté pour chaton tout à l'heure, quand il réclamera. Là, j'attends que ma lessive se termine, mais j'ai pas hâte que ça se termine. Je suis bien allongée, là, parce que j'avais mal avant de me coucher. Et puis, donc j'attends que mon kidou ramène les 18 grosses boîtes de 400 grammes de pâté que j'ai eu à 35 euros. Voilà, mes chatons. Ça me fait quand même un peu moins cher qu'au petit magasin où ma sœurette va les chercher et où on les trouve seulement là. C'est Moustache Gourmande. C'est un nouveau petit magasin qui a quoi, à peine un an? C'est un monsieur qui est tout seul. Il a un tout petit magasin, ça fait quoi? 20 mètres carrés. Et voilà. Et il a quelques petites pâtées, quelques petits accessoires. Avenue Pierre Brossolette pour les Aubois, à Troyes, voilà. Et ça s'appelle Moustache Gourmande. Et on trouve un peu de tout. Et dont les bonnes petites pâtées que mon Minus adore, voilà. Et c'est pas la première fois que je trouve les pâtés que Minus adore. Donc, voilà. Mais bon, ça est plus cher, bien sûr. Donc là, je les ai pris sur Internet, parce que j'ai réussi à les trouver sur Zoomilia. Dites-moi si vous connaissez ce site. Voilà. Allez, je vous embrasse. Là, j'attends que ma lessive numéro 2 se termine. Et je remettrai mon corset, qui est là, pépère. Voilà, le gros corset, qui est là, qui m'attend, pour étendre mon linge. Si j'arrive à étendre mon linge. Voilà, parce qu'il faut aller chercher au fond de la... Ce que j'arrive pas à faire, c'est... Ce qui me fait très mal au dos, et dont je ne dois pas tirer sur le dos en pliant, c'est aller chercher le linge au fond de la machine à laver. C'est ça qui est difficile. Voilà. Mais bon, la dernière fois, j'y suis arrivée, tant bien que mal, et ça m'a fait un petit peu mal, mais bon. Pardon, docteur, je fais quelques mouvements qui ne sont pas autorisés. Coucou, je vous retrouve, il est 5h30. J'ai dormi une bonne partie de l'après-midi. Et comme je vous disais, voilà, mon Kidou a ramené la commande de Zoomilia, en fait. Ça s'écrit comme ça, Zoomilia. Voilà. Là, vous avez 35 euros de pâté. Il y a 18 pâtés de 400 grammes, comme ça. C'est de chez Leonardo. Voilà mes chatons. Voilà. Zoomilia. Voilà mes chatons. Il y en a 18 pour 35 euros, frais de port compris. Allez, je range tout ça. Enfin, mon Kidou va m'aider. Et puis après, on fait l'apéro avec ma sœurette. Regardez qui c'est qui est là-bas. Youhou. Allez, à tout de suite. Mes chatons, il est exactement 20h15. Mon papou et ma sœurette sont partis il y a 20 minutes. 20-30 minutes. Je me suis goinfré l'apéritif de chips. Une catastrophe. Du coup, j'ai pas mangé, là j'ai plus faim. Et là, mon infirmière vient de partir. Et vous allez me disputer. Mon infirmière m'a mis une alerte. Elle m'a refait mon pansement, ma piqûre anti. Vous savez, pour le sang, là, et la phlébite. Contre la phlébite. Et elle m'a refait mon pansement et en fait, j'ai tiré sur les agrafes. J'en fais trop. J'ai étendu mon linge. Pourtant, mon Kidou m'aide, mais je lui dis pas. Je me penche pour ramasser, pour soulever Minus, pour y remettre de l'eau. Je me penche pour mettre dans le lave-vaisselle. Voilà. Et ça m'est interdit et je le fais quand même parce que la douleur est supportable. Et en fait, j'ai forcé et j'avais plein de sang dans mon pansement. Et donc là, elle m'a dit stop.
Vous refaites comme les premiers jours. Vous ne faites rien et plus aucun mouvement interdit. Alors, voilà. Ouais, non, mais je m'en veux. Hein. Moi, je ne suis pas sérieuse. Parce que sinon, les agrafes vont... Là, ça a tiré sur les agrafes. Et donc, ça a saigné, écrouté. Voilà. Donc, elle dit, si vous continuez comme ça, il y a une partie de la cicatrice en bas qui est très serrée et qui va... pas envie que votre cicatrice, elle lâche. Voilà, voilà. Donc, je suis couchée et... Piano, voilà. Je suis de nouveau à faire attention. Ouais, je m'en veux. Je n'ai pas respecté les consignes du médecin et du chirurgien. Voilà. Ben, comme je suis toute seule, des fois jusqu'à milieu d'après-midi, mais je peux attendre. Hein, mais je veux le faire, quoi. Donc je le fais. Voilà. Et non, ce n'est pas bien. Même si la douleur est supportable, il ne faut pas que je fasse. Voilà. Donc demain, il ne faut pas qu'il y ait du sang dans mon pansement. Ma petite Aurélie, oh, j'adore cette petite infirmière. Stéphanie Nicolas, je l'adore. Oh, elle est trop belle en plus. J'aimerais tellement lui ressembler. Et elle est gentille et douce. Oh là là. Et ma petite Aurélie, elle m'a dit, demain, pas de sang dans le pansement. Il ne faut pas que je recommence. Voilà. Donc là, non, sérieux, sur la tête, à mon kidou, à ma sœurette, à mon papou et à maman. Je vais faire attention, je ne fais plus de bêtises. Pas belle. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée. Profitez bien de votre samedi soir si vous avez la chance de ne pas travailler. Enfin, sauf si vous êtes au chômage, là c'est moins drôle. Et puis, je vous dis à demain matin. Demain, journée banale. Hein. Donc, je clôturerai en fin de matinée le weekly vlog parce que je n'ai pas fait de montage et... Ah ben moi qui voulais le faire assis, donc c'est mort. Ouais, je sais pas comment je vais faire pour le montage du coup. Sur mes genoux, je pense, comme sur le lit, comme ça, mais c'est pas évident. Voilà mes chatons, donc peut-être qu'il sera en ligne que lundi. Je vais faire des coupures. Oui, je vais être sérieuse. Non, j'ai pas envie que ma cicatrice, elle pète. C'est de ma faute, hein. Je suis pas bien. C'est pas bien. Première fois que je respecte pas les consignes médicales. Allez, bisous mes chatons, à demain. Coucou mes chatons, il est 6h45. Je suis levée depuis une demi-heure, voilà. J'ai petit déjeuner à 6h30. 6h15, c'est mon tout petit qui est venu me réveiller et qui a réveillé son papa. Donc, 6h30, je me suis fait deux gros sandwichs, beurre et confiture de prune de bonne maman. Et c'était délicieux. J'ai pris mes médicaments. Et là, je viens de faire une bonne pâtée à mon Nunus. Il est en train de manger avec son papa. Voilà, voilà. Mon kidou a petit déjeuner également. Il a mal dans les jambes. Voilà, voilà, voilà. Allez, moi, je me recouche et je vais essayer de redormir un petit peu. Parce que 6h45, non, je ne me lève pas. Et puis, il faut que j'en fasse le moins possible. Parce qu'en fait, mon kidou a regardé et mon pansement, il y a encore du sang et du suintement. Donc, tant qu'il y a, il y a des problèmes comme ça dans mon pansement, il ne faut pas que je bouge de trop. Voilà, voilà, voilà. Et j'ai réfléchi, je me suis fait mal hier en m'asseyant sur la chaise. Mon corset a remonté. Je me suis pris dans le dossier de la chaise et en fait, ça a dû tirer sur la cicatrice. Voilà, en plus des mouvements qu'il ne fallait pas faire et que j'ai fait. Donc tout ça, ça ne range rien. Ellie, donc pas bouger Caramella, non. À la niche. Et voilà, il est midi et demi passé. J'ai rien fait ce matin. J'ai les intestins qui sont complètement bloqués. Pourtant, je prends les traitements, les sachets qu'ils me donnent. C'est les traitements. Hein. Et ça, c'est m'énerve, ça m'énerve. Bon, bref. Ah, on est midi et demi passé. Nous sommes dimanche, donc. Allez, à midi, eh ben, c'est tout simplement des pâtes au beurre avec des graines de... Gomaccio, voilà, que j'avais eu à Nose à, je sais plus, 99 centimes, pas cher du tout. Voilà, tout simplement, et puis un petit flambi de la marque Repère. Et Mokidou, c'est la même chose, mais avec un cordon bleu à la crème de champignon. Voilà, voilà, voilà. Et bien mes chatons, je vais clôturer le weekly vlog là. Bon appétit mon chat, mon tout petit. A pas beaucoup mangé aujourd'hui. Ben oui, c'est papa qui fait. C'est moins bon.
Voilà, et j'espère que ce weekly vlog n'aura pas été trop lassant, parce que de toute façon, je n'ai rien fait de la semaine. Aujourd'hui, il pleut, ça me coupe le moral, ça me coupe les pattes. Je suis fatiguée comme tout. Je me reposerai un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il veut du beurre, mon doudou veut du beurre. Tiens, mon loup. Je me reposerai encore un petit peu et puis j'irai à la douche avant que l'infirmière arrive. Voilà, elle va me faire encore la piqûre contre la phlébite. Et puis, je tremble. Et puis, elle va regarder mon pansement, mais ça a encore saigné, enfin, ce matin. Moins, mais ça a saigné quand même. Bah oui, à mon avis, elle va changer. Voilà, bon, j'essaie de ne pas faire de faux mouvements. J'en ai fait un ce matin. Il est sans mon corset. Pas bien. Et là, bon, bah, je fais plus rien. Je me pue dans la vaisselle, je me penche plus pour prendre une bouteille d'eau, je me penche plus pour porter Minus, pour lui remettre de l'eau dans sa gamelle d'eau. Bref, une loque. Voilà. Allez, mes chatons, j'espère que ce weekly vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour atteindre les 6000 et déclencher avec grand plaisir un concours. Bisous, bisous. Profitez bien de votre week-end si vous le pouvez. Et puis, bah, je vous dis à demain, un nouveau weekly vlog. Tout aussi sympathique et puis tout aussi médicalisé. Voilà, gros bisous.